Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on va se faire un trip numérique. Et vous allez voir que ce trip numérique-là est vraiment quelque chose d'assez étonnant et super bien fait. Voilà. Et le trip qu'on va se prendre, ça s'appelle Spider Tank. Et je trouve que voilà, c'est plutôt bien fait, c'est excellent. Allez, on se prend notre petit trip. Voilà, donc voilà, c'est simplement pour montrer à mes amis et mes proches qui me regardent, voilà ce que c'est, parce que ceux qui ont le jeu, bien entendu, ils connaissent. Donc voilà, c'est en fait, on est en train de faire une espèce de gros trip de rêve, quoi. Et regardez-moi ça. On s'imagine en train de piloter une sorte de grosse araignée mécanique. Et c'est vraiment super bien fait. C'est digne de Transformers, quoi. Ça file même des frissons. Allez, et donc on a des objectifs. Donc là, par exemple, le premier objectif, c'est de détruire 4 véhicules. Donc c'est ce qu'on va faire, hein. On va détruire 4 véhicules. Et chaque objectif se fait sur un temps imparti. Donc là, on a détruit un. On va détruire le deuxième. Voilà. Ma mitrailleuse va se recharger. Hop. Là, on détruit le troisième. Et on va avoir la quatrième. Allez. Impec. Objectif réussi. Donc ensuite, le prochain objectif qui va nous être donné. Voilà. Tuer 12 policiers. Et en fait, cette bande de cons, ils sont là, donc c'est nickel parce que je vais pouvoir les avoir vraiment comme s'ils étaient dans une espèce de petit trou là. Et regardez-moi ça, j'ai pris lance-grenade et allez, on y va. Donc là, ça me permet d'en tuer un maximum rapidement. Voilà, voilà. Il me manque encore 4 flics. Voilà, une voiture qui arrive. Allez, 2 flics. Donc vous voyez que ce watchdog est plein de surprises parce que impeccable, voilà. Parce qu'on s'y attend pas qu'il y ait une espèce de truc aussi délirant dedans et tout. Et ça change, quoi. Je trouve que c'est vraiment super sympa. On varie d'un gameplay à l'autre, hein, et ça permet de, voilà, de se défouler. Allez, on va détruire des balises. Alors à partir de maintenant, regardez ce que fait mon araignée. Elle saute. C'est une araignée sauteuse. Et on peut grimper sur les bâtiments. Donc c'est, voilà. C'est vraiment super bien fait, même les jeux Transformers, les licences n'arrivent même pas à faire ça, quoi. Et rien qu'avec ça, ben on s'éclate, quoi. Hop, voilà. Un bon jeu Transformers, ça serait sympa qu'il soit comme ça. C'est vrai que ça pourrait être pas mal. Allez, on détruit une balise ici. Et on va détruire la deuxième. Alors la deuxième, elle est à là-bas, 270 mètres. Hop. Et vous voyez que les mouvements de l'araignée sont pas mal. Ça serait pas mal qu'ils nous sortent un jeu avec des insectes et tout. Il y en avait un qui était sorti à l'époque, je sais plus sur quelle console. Hein. Mais c'était un jeu où on pouvait commander soit une araignée, soit un scorpion. Bon, j'avais pas acheté le jeu. Par contre, sur quelle console il était, je m'en rappelle plus. Si c'était Nintendo 64, hein, ou PlayStation. Oui. Peut-être la Wii. Je crois que c'est un jeu qui était sorti sur Wii, il me semble. Et c'était plutôt original. Et on devait survivre en étant soit une araignée, soit un scorpion. Allez, la deuxième balise est ici. Hop, impeccable. Allez, on va atteindre notre prochain objectif. Ah, c'est marrant, l'araignée, elle fait mécanique, elle fait un petit bruit de temps en temps comme une vraie, quoi. Détruisez le camion blindé. Allez, vite, faut qu'on aille choper un camion. Alors, j'espère que je vais y arriver à le choper. Wop, voilà. Alors je vois que j'ai une petite flèche jaune, c'est qui doit être par là-bas. Waouh, cette espèce de méga saut, quoi. Allez, poussez-vous les gens, ne faites pas attention à moi. Ne vous inquiétez pas, c'est juste une araignée. Ah, là, je vois que le camion est pas loin. Par contre, est-ce que je vais arriver à le choper? Parce que l'araignée, je sais pas si on peut la faire. Si on peut la faire courir. Ah, il est là le camion. Ici.
sacré camion. Il va vite ce camion là-haut. Vite. Allez, 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 allez. Je... Ah, il s'est barré. Il s'est barré. Non. Ah non, il s'est peut-être pas barré. Non mais il bombarde ce camion là. Donc bien sûr, mon araignée est mortelle. Hein. Voilà, mission échouée. J'ai raté. Bon mais voilà, dans tous les cas c'était pour vous montrer un petit peu ce que ça rendait. Donc vous voyez que voilà, même si graphiquement ce jeu s'est fait un peu descendre, ben on faut reconnaître quand même que c'est plutôt pas mal quoi. C'est vrai que ça rend bien. Et alors retour à la réalité, voilà, on va sortir de notre trip. Et ça c'est le genre de mission que je trouve que ça rend bien, c'est bien fait, ça défoule. Hein. Donc voilà, c'était pour vous présenter cette petite mission annexe qu'il y a. Et dans une prochaine vidéo, je pense que je vais aller retrouver mon espèce de gros arnaqueur là. Et je crois que là, l'autre fois, il m'a piqué mon fric. Mais là, c'est moi qui vais lui piquer le sien. Donc, on retournera voir notre geek préféré qui nous fait le bon étoffe. Allez, je vous dis à très très bientôt. Et passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao, ciao!